Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo pour que plusieurs puissent la voir. Hi friend, this is Olivia here and this is a deep way lace frontal wig. It's so full and this is high density and this is the front. Et comme je vous ai promis dans ma précédente vidéo, dans cette vidéo nous allons parler du business en Chine, des opportunités qu'il y a à faire le business en Chine. Alors, c'est une vidéo qui est très importante et donc je te recommande à ces moments-ci de prendre ta tasse de thé et surtout de mettre sur la table et de suivre calmement parce que cette vidéo va te donner au fait une nouvelle vision des choses. Alors, comme vous le savez, la Chine, c'est un grand marché. La Chine, c'est un grand marché qui présente tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez acheter, la seule chose que vous avez besoin, c'est de l'argent pour vous procurer ces produits rares que vous cherchez pour vendre aux gens. Et vous savez que les gens cherchent le plus souvent des choses. Et peu importe ce que vous pouvez faire, vendez aux gens. Vous allez vous étonner combien de ce que vous allez devenir riche plus que ceux qui achètent. Vendez aux gens. Et donc ceci, c'est pour vous inciter à dire que vous n'avez pas forcément besoin de travailler. Si vous faites les business, vous serez mieux. Et vous devez, avant de commencer, chercher ou dénicher votre produit. C'est que les gens pourraient peut-être avoir besoin. Parce que tu ne peux pas aussi aller acheter quelque chose qui va rester toute l'année sans pour autant être vendu. C'est-à-dire, vous devez être en mesure de dénicher un produit qui va vous aider à être vendu rapidement. Parce que si vous achetez quelque chose qui ne se vend pas, c'est que vous avez fait une fausse affaire. J'aimerais justement, dans cette vidéo, vous inviter à commencer un business. Un business qui est rentable. Vous remarquerez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui changent très souvent les écouteurs, les chargeurs et toutes ces choses, les pochettes et tout. Donc ça, c'est un grand business à ne pas négliger. Et si actuellement vous hésitez sur quoi commencer, investissez dans ça. Achetez tout simplement les accessoires des téléphones. Et vous allez me donner raison, votre business va commencer à produire beaucoup d'argent. C'est parce que on a toujours besoin de quelque chose, d'une pochette. On a besoin de nouveaux écouteurs. On a besoin de ceci et cela. Donc, c'est une très grande opportunité qui se présente devant vous. Les femmes, vous remarquerez bien qu'ils aiment bien changer les wigs, c'est-à-dire les perruques et tout ça. Donc, c'est une très bonne affaire. Alors, vous avez besoin de contacter un fournisseur qui peut vous fournir des mèches, qui peut vous fournir des perruques, des wigs, toutes ces choses. OK? Et vous commencez votre business par là. Hi friend, this is Olivia here and this is a deep way lace frontal wig. It's so full and this is high density and this is the front. This is a 13x4 full frontal lace wig and I will show you the lace here. This is the lace. Can you see the lace? And you can do the prank by yourself and bleach the knot by yourself. Do you want to try this wig? Quelle opportunité! Donc vous avez une opportunité de pouvoir être fournisseur à ces femmes. Et il y a une très forte demande. La demande est tellement importante chez les femmes. Donc ça c'est deux. Ce que vous pouvez faire en fait. Non seulement ça, vous pouvez commencer à investir dans les habits. Vous pouvez acheter les habits. Vous pouvez acheter les chaussures. Alors, les petits secrets c'est quoi? Le plus souvent, c'est qu'il y a aussi question du temps. Si vous avez besoin de faire écouler vos marchandises le plus rapidement possible, c'est que vous pouvez acheter des choses qui coûtent, qui pèsent moins. C'est si par exemple vous achetez les mèches, ça pèse moins, vous avez la possibilité de faire venir cela par avion. Ça vient dans un temps record et vous pouvez l'avoir très facilement dans un temps record. Et c'est bien, c'est une bonne chose, ouais. Et la marchandise peut être écoulée aussi très rapidement. Mais pour les chaussures, je vous déconseillerais de faire cela. Pour tout ce qui pèse comme les chaussures, peut-être les habits aussi, quand vous achetez en grande quantité, je vous déconseillerais peut-être de pouvoir les amener par voie aérienne. Parce que, bon, par voie aérienne, ça vous coûterait peut-être un peu cher. Peut-être vous pouvez choisir l'option d'envoyer cela par voie maritime. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Quand vous envoyez votre colis par voie aérienne, c'est que ça vient une semaine ou à deux semaines. Okay? Mais par voie maritime, ça fait généralement 45 jours, 30 à 45 jours. Pour que ça puisse arriver dans votre pays. C'est à vous de voir. Si vous avez déjà quelque chose que vous vendez et que vous faites venir une marchandise qui peut faire 45 jours pour l'avoir, ce n'est pas un problème. Donc, les chaussures, vous pouvez faire ça, les faire venir par voie maritime. C'est une très bonne opportunité.
Alors, pour ceux qui, par exemple, sont dans les domaines de l'ingénierie, tous ceux qui sont dans la construction, par exemple, il y a aussi une très bonne opportunité. Vous pouvez commencer votre petite entreprise, fabriquer des briques et fournir aux gens qui construisent à un faible coût. Et vous savez combien l'argent, les gens aiment bien quand c'est moins cher. Donc, vous pouvez jouer avec ça pour votre début et vous pouvez être toujours rentable, je vous assure. Alors, une autre chose, c'est que vous pouvez également. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, je peux parler des femmes, hein, des beauty, tu pouvais par exemple acheter aussi des maquillages et toutes ces choses. Donc, ça pourra également être une source de revenus parce que les gens achètent en grande quantité. Alors, une fois que je vous ai donné tout ça, vous avez quand même une idée sur ce que vous pouvez acheter et tout ça. Alors, mais je vous suggère quelque chose parce que je ne peux pas tout illustrer dans cette vidéo. Cette vidéo sera tellement longue, alors j'ai pas envie de la faire tellement longue. Alors, j'aimerais juste vous donner une seule chose à faire. Téléchargez cette application. Elle s'appelle Alibaba. Téléchargez-la. Et cette application va vous donner accès à tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous cherchez. Peut-être la difficulté serait qui peut acheminer vos marchandises dans votre pays. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez contacter notre service. Tungsten Service peut vous aider à transférer vos marchandises de la Chine vers votre pays sans problème. Il suffit juste de nous contacter, de nous dire qu'est-ce que vous voulez exactement et nous vous aidons à faire cela. Vous pouvez nous contacter à ces numéros ou encore nous écrire sur notre page Facebook pour toute information. Tungsten Service, ce n'est pas seulement pour ça. Hein. Nous faisons aussi des admissions en Chine. Si vous avez besoin de partir en Chine pour faire quelque chose, alors n'hésitez pas à nous contacter. Il y a donc une opportunité immense quand vous faites des business en Chine. Et voilà, c'était donc ça que je voulais donc partager avec vous, bien sûr. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un like, à partager cette vidéo pour que plusieurs puissent la voir. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du Congo. Yeah. Nous allons parler du Congo parce que il y a quelque chose qui est intéressant derrière ça, cette vidéo-là qui va venir. Alors, nous allons parler du Congo et nous allons parler du voyage au Congo. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir au Congo. Alors, c'est une opportunité. Mais c'est un sujet qui sera peut-être un peu dans le sens de faire un partage sur un point, sur la difficulté qu'il y a aux étrangers de venir au Congo. Alors, nous allons donc partager sur ça et vous serez un peu préparé quand vous voulez venir au Congo. Mais nous espérons vraiment que cela puisse changer. Alors, je me réserve de parler de tout ça dans cette vidéo et nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour illustrer cela et ciao!